بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أرحب ساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Toujours concernant l'essence et dans le masail qui est en relation avec Suyam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous causons un petit peu concernant Ban qui va finir ici God Rosa pendant le mois de Ramadan. Connais qui Ban qui va finir God Rosa pendant le mois de Ramadan, c'est en deux catégories. Première catégorie, c'est un qui obligé remplace le nombre de jours que vous êtes fini raté. Et deuxième, c'est Ban qui bizarre d'une fidia sans que vous bizarre remplace Ban jour que vous êtes fini raté. Et pour chaque jour que vous êtes fini raté, vous êtes bizarre d'une pauvre à manger équivalent de la moitié soir, c'est-à-dire 1,5 kg de manger de nos pays, c'est-à-dire 1,5 kg de riz. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous commençons un petit peu concernant Ban qui bizarre remplace le nombre de suyam que vous êtes fini raté. Premièrement, premier dans la catégorie, la première du monde qui vous a remplacé, c'est un voyageur et aussi un malade qui n'a l'espoir pour gagner guérison. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar » Celui parmi ceux qui est malade ou bien en voyage, il garde un nombre de jours pour une bonne les autres jours, il est en dehors du mois de Ramadan. Il est un du monde qui est en voyage. Comme tu t'expliquais dans une session auparavant, il y a un choix entre God Rosa pendant le mois de Ramadan ou bien les pas garder les remplacer après. Et ça dit moun là, les bizarres remplacent si les fins ratées pendant le mois de Ramadan, veut dire cause voyage, les obligés ratés. Deuxième catégorie, c'est un djimoun qui est malade mais il a l'espoir pour gagner guérison. Veut dire les différents. Un djimoun qui est malade mais il a l'espoir pour gagner guérison. Par exemple, un djimoun il va finir ici garder sa l'année là, ou bien il va finir ici garder 10 jours la cause des fins malades, ou bien il va finir ici garder 15 jours la cause des fins malades. Mais seulement les pougains guérison après le mois de Ramadan, alors le Sajimoun là, l'obligé remplace sa banzou qui l'y finirait-il. Le Sajimoun là, l'obligé remplace banzou qui l'y finirait-il là, comment l'y finirait-il sur guérison. Le Sajimoun, par exemple, il a besoin d'un traitement. Et ce traitement là, il peut continuer pendant le mois de Ramadan, et il peut terminer après le mois de Ramadan, et sur guérison pour correct. Alors le Sajimoun là, dans ce cas là, il n'y a pas besoin de faire fidia, mais il bizarre remplace banzou de Ramadan qui l'y finit raté parce qu'il finit être guéri. Parce qu'il finit être guéri de ce maladie, alors il est obligé de remplacer. Déjà, troisième catégorie du monde, c'est une madame qui finit bien sur Haïd. Rapportez par Mu'ad, l'idjab au fin de Manaïcha, radiallahu anha, qui fait une madame qui tire sous période de Haïd, il bizarre remplace Rosa, il est peine pour remplacer Salat. Alors, Aïcha, radiallahu anha, fin de Manaïcha, est-ce qu'il est un Khawarij? Je vais répondre, je ne pas un harouria, mais je vais demander, Aïcha radiallahu anha, je vais répondre, quand nous gagnons nous, Haïd, dans l'époque du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous gagnons l'autre pour remplacer Rosa, et nous gagnons l'autre pour remplacer Salat. Alors, une madame qui gagne ce période de Haïd pendant le mois de Ramadan, 7 jours, 10 jours, ou bien, quand je sais qu'il a gagné, en dehors le mois de Ramadan, il est bizarre remplacer. Après le mois de Ramadan, les bizarres remplacent sa banzou qui les fait une ratée là, et faudrait pas les faire négligence concernant ça. Faudrait pas qu'il les faire négligence concernant ça. Les attendent après 2-3 bananes, après ils pourront le remplacer sur le demandant de Ramadan qui les fait une ratée, non. Au contraire, c'est des bananes ulama. Fin dire qu'ils pensent que s'ils font une ratée sa Ramadan là, avant le Ramadan de finir rentrer, ils obligés finir remplacer. Avant le Ramadan, finir rentrer, les bizarres font ses efforts pour finir remplacer sa ban, sauf qu'il fait une ratée là. Alors, il y en a un an devant lui, alors, frère, c'est tout ceux qui ont un iman, fait ses efforts, remplace-le au plus vite possible, parce que c'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre l'eau ban madame. Et comme ça même, qui ban qui bizarre donne fidia? Ban qui bizarre donne fidia veut dire, je pas bizarre remplace banzou de Ramadan et je fais une ratée. Parmi là-dedans, un djimoun qui fait une vie trop vieille, il n'est pas pour capable d'observer Ramadan et avec une condition qui sa djimoun là, il est encore pour raisonner. Si djimoun là pas pour raisonner, il n'est pas capable de raisonner, alors ça tombe l'eau. Mais si un djimoun est vieille et la cause de vieille là, il n'est pas pour capable d'observer Ramadan, sa djimoun là, il est bizarre d'un fidya. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Allah subhanahu wa ta'ala dit ban qui capable de garder Ramadan, ban qui pas capable de garder Ramadan, de donner fidya, de donner nourriture d'un pauvre. Rapporté Mujahid, dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, l'india sa ayat, la ban qui capable de garder Ramadan, de donner fidya, nourriture d'un pauvre. Ensuite, il finit, c'est un vieillard qui pas capable de garder
li pa gade, et pour chaque jour, li donne un pauvre à manger, la moitié soit froment, veut dire, du blé, veut dire, li retourne dans le pays que de laquelle li resté, veut dire, un dimon qui vient, un vieil dimon, li pa capable gade ça, pour chaque jour que li fin raté, li donne 1,5 kg de riz à, veut dire, à chaque pauvre, et ça, li ka donne un seul dimon, ben li capable de donner 30 dimon différents, pays n'a aucun problème. Abu Huraira, radiyallahu anhu, dit, celui qui faiblisse, qui la vieillesse finit attrapé. Il n'est pas capable de garder ça pour chaque jour, il lui donne un mout de blé. Et comme ça même, connaît frère Sakina Iman, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le vieillard, il est incapable de garder ça. Alors pour chaque jour, il donne à manger. Pour chaque jour, il donne à manger. Et comme ça même, qui s'en a qui besoin d'une fidia encore, c'est une madame qui est enceinte. Il y a une madame enceinte pendant le mois de Ramadan, il n'est pas capable de garder ça. Il n'a aucun PC le lit. Il a simplement pour donner fidia, fait un pauvre à manger pour chaque jour qu'il n'est pas fini de garder ça. Ibn Omar, radiallahu anhu, dit une madame enceinte qui paye sur la santé de Ramadan, n'est pas garder ça, il donne à manger et il paye pour remplacer. Il est pareil, il lui donne ce fidia, la moitié soit avec 1,5 kg. Jiri, ça pour chaque jour qu'il finit raté. Après, il n'y a pas à faire. Il y a une madame qui est enceinte, il demande Ibn Omar. Ibn Omar, radiallahu anhu, il n'y a pas garder ça pour chaque jour donner un pauvre à manger et pas bizarre. Et pas besoin de remplacer. Comme ça, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit une madame qui est enceinte et une madame qui peut allaiter ses enfants. Si je paye pour la santé, je ne pague pas rosa et chaque jour, je donne un pauvre à. Chaque jour, je donne un pauvre à manger. Connais-vous ce qu'il y a? Il y a une certaine opinion qui dit qu'il y a une madame qui peut allaiter son petit bébé. Ou bien une madame qui est enceinte. Les bisins remplacent Ban Rosa qui les fait rater. Connais-vous ce qu'il y a? Ça, c'est fatwa de Ban. Sahaba radiyallahu anhum et ben là fintum d'accord l'oula ma sauté ben sahaba l'oula qui est une madame qui est enceinte ou bien une madame qui allait se tuer se pépé pour la santé se pina pour garder ça pendant le mois de Ramadan se donne fidia. Un exemple, c'est une madame de ce 8 l'année moyaz elle finit gain 4 enfants dans une façon qui un Ramadan il est enceinte et le Ramadan il peut aller de ses enfants le 9e l'année Moyaz, après qu'il finit gore sur le Ramadan, il y remplace ce qui libérate le 9e l'année là à cause de Haïd. Nous dit, sa madame là, il finira de sa 8 ans là. Mais dit, les bisagodes, 8 fois 30, c'est 240 roses. Pendant doute, frère Sakenaïmal, qu'il peut finir une grande difficulté le lit et de dire dans la subhanahu wa ta'ala, pas supposer une difficulté pareille. Mais ça prouve que l'opinion qui dit qu'il est simple pour payer Fidia sans remplacer ce qui finira de les plus fort. Hussein al-Aisha. Il dit, une madame qui est enceinte, une madame qui a les deux enfants, si je ne suis pas capable de garder ça, ou bien je paye la santé, ou bien la santé de ses enfants, je ne suis pas garder ça, mais je paye Fidia et je paye pour remplacer ça qui je finis raté. Et comme ça même, une madame qui paye les deux enfants, lui aussi, il dit, paye Fidia. Rappelez pas ça, Ibn Jubair, il dit, Ibn Abbas, il dit, une madame esclave qui est maman de ses enfants et qui est enceinte, ou bien je paye les deux enfants, il dit, comment celui qui n'est pas capable de garder ça, donne un pauvre à manger pour chaque jour qui n'est pas capable de garder ça et te paye pour remplacer. Comme ça, même Ibn Abbas, il finit dire, il finit tout, une madame esclave, il dit, allez, tu sais, il dit, même pareil, il dit, sa madame là, il est besoin de remplacer, il n'est pas besoin de remplacer, il insiste pour donner une fidia. Et comme ça, même une autre catégorie qui besoin d'une fidia, c'est un djimoun qui il a une maladie. Et il n'a aucun espoir pour trouver guérison. C'est-à-dire celui qui finit tout ça pour une maladie. Et sa maladie-là, il n'a l'espoir pour trouver son remède. Il n'est pas garder ça. Il donne fidia parce qu'il ressemble à un vieillard qui n'est pas capable de garder ça. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qu'on me dit. Demain, Inch'Allah, nous faisons un petit peu d'explication concernant remplace Suyam et une petite explication concernant fidia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.